Mais vous vous étiez engagé en 2012, on était quelques-uns, auprès de François Hollande. Vous étiez le 6 mai à la Bastille et on vous a vu et parlé et chanté. Je suis content parce que les gens qui me touchent, les petites gens, aujourd'hui sont contents, voilà. Parce qu'on on les a fait morfler, on les a méprisés, quoi. Ils ont morflé. Il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Je suppose que vous ne regrettez pas de l'avoir fait, mais vous devez être quand même un peu insatisfait. C'était un moment très fort. Des moments d'espoir comme ça, j'en ai jamais vécu. J'ai vécu ça aussi aux États-Unis lors de l'élection d'Obama, cette espèce d'espoir populaire. J'ai jamais ressenti ça auparavant. Je m'étais engagé aussi auprès de Ségolène Royal. Bien sûr. Auparavant, il s'est trouvé que là, la différence, c'est que cette fois-ci, François Hollande a gagné. Et oui, c'était un moment très fort, plein d'espoir. Et forcément, après, le quotidien prend le dessus. Et il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Pour la deuxième partie du. Des Français disent qu'il a échoué sur le plan de l'emploi. Vous faites partie des 3% ou... Ah bah c'est difficile de dire. Quand un bateau, quand il y a un problème sur le bateau, moi je saute pas, je reste à bord. Je pense qu'il voilà dans il les faut bons. Faut le soutenir encore. Dans les bons et dans les mauvais moments, c'est une façon d'être. Il y en a pas beaucoup qui font comme vous. C'est qui continuent à le soutenir. C'est tellement facile de taper dessus. C'est même à la mode en ce moment. Non, je peux avoir des accords, mais... Mais ce n'est pas le moment de quitter le navire. Non. Surtout pas, il reste encore 2 ans et demi, presque jour pour jour. Mais non, c'est jamais, je ne quitte pas le navire. Voilà, on s'engage, je ne tourne pas ma veste. Voilà, c'est vers des désaccords, peut-être qu'il y aura d'autres choix plus tard, mais pour non, je pense qu'il faut rester fidèle.